retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'enchaîne les vidéos fringues. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo haul Shein. J'ai reçu des pépites. Donc, j'ai pris des petites choses aussi bien pour moi, aussi bien pour Enzo et pour mon mari. Parce que voilà, j'ai converti mon mari à Shein. Il kiffe. Donc, je lui ai pris quelques petites choses. Et donc, il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Voilà, ça, c'est le jeu, la roulette avec Shein. On va commencer par toutes les choses qui sont pour moi et je finirai pour les choses qui sont pour Enzo et pour mon mari. On va commencer par la première pièce. Sur Shein, vous avez toujours mon code promo de moins 15% qui est valable toute l'année sur tout le site. Moins 15% avec le code 5val beauty. Vous avez toute l'année moins 15%, donc c'est super intéressant parce que c'est valable aussi sur les promos. D'ailleurs, il va y avoir les soldes. Donc profitez-en, ça peut être très intéressant pour refaire la garde-robe. Donc, j'ai pris, pour aller avec mes petits pantalons moutarde, j'ai pris une veste en jean, j'en avais pas en moutarde. Et franchement, elle est d'une matière mais ultra souple. Je ne sais pas si vous pouvez voir, regardez comment c'est souple. Faut que je regarde si elle est dans d'autres couleurs parce que franchement, la matière, elle est d'une souplesse. Je l'ai pris en taille, en taille 2XL. Elle est très très jolie. Les boutons sont argentés, c'est un joli moutarde. Vous pouvez retrousser les manches sans problème. Donc je l'ai pris moi en taille 2XL. A savoir que moi je fais un 48, 50, 52 en haut et un 48 en bas. Je mesure 1m55. Voilà, vous savez tout. Alors pour la petite veste, elle est vraiment top. Bon, ça ne va pas forcément avec le bleu électrique, le bleu roi. Mais franchement, elle est très jolie. Elle ferme. Même moi, si mon but, c'est pas de les fermer, les vestes en jean. Elle a des poches qui sont cousues, qu'il va falloir que je découse. Elles sont cousues, ouais. Donc, oui, elles sont cousues, mais il y a des vraies poches. Ah oui, il y a même des poches à l'intérieur, les gars. Il y a même une poche à l'intérieur de chaque côté. Mais écoutez, c'est formidable, ça, c'est très rare. Une poche intérieure et deux, une poche extérieure. Moi, j'adore les poches. Donc, au niveau de la longueur, elle arrive à peu près un petit peu en haut de la fesse. Et au niveau des manches, les manches sont parfaites. Donc, moi, je la pense, la porterai peut-être avec des manches retroussées. Mais ça, on valide. On valide. Ensuite, un gros, gros coup de cœur. Quand j'ai reçu la robe, je vous avais présenté une robe marinière, mais qui n'était pas assez longue ou pas assez courte. Et moi, il faut que ce soit court ou alors carrément très long. Sinon, ça me tasse. Et je me suis dit, il faut que je regarde si je ne peux pas en trouver une vraiment une longue, un petit peu façon marinière. Et j'ai trouvé. Alors, quand j'ai reçu le produit, je me suis dit, ah, j'aime pas la matière, j'aime pas le... Ouais, j'aime pas, c'est en, comme on dit, un peu en truc piscine, là, un peu robe piscine. Je me suis dit, ouais, ça va être moche. Je vais, bon, qu'est-ce que j'ai encore choisi? Et finalement, c'est un big coup de cœur, big coup de cœur. Donc, big coup de cœur finalement, une fois porté, je me suis dit, ouais, ça va pas le faire. Et franchement, donc je l'ai pris en taille 2XL. Donc, elle a un col rond, elle est marinière bleu marine. Et vous voyez, c'est vraiment la matière un peu piscine, un peu maillot de bain. Les petites manches sont comme ceci. Donc, elle est très très longue. Elle a un point à l'arrière. Au niveau de la longueur, je vais vous la porter de toute façon. Vous voyez, elle est très très longue. Moi qui fais 1m55, elle m'arrive à la cheville. Donc, je vais vous porter ça. Et elle est en coupe un peu évasée. Franchement, un gros coup de cœur. Alors, moi, je vais la porter avec une veste en jean, un collier, un sautoir et une paire, la paire de baskets que je porte là aujourd'hui. Alors, voilà ce que donne la robe au niveau du... là. Je pense que j'aurais pu peut-être prendre aussi une taille en dessous, un XL. Mais bon, là, franchement, je suis à l'aise. Moi, je vais la porter, je pense, avec un sautoir, comme je vous l'ai dit. Alors, on peut aisément aussi la porter. Vous voyez, elle est quand même super longue. Je ne sais pas ce qu'il y a. Elle est quand même super longue. Mais franchement, elle est très jolie. Donc, je vais vous la porter comme je l'ai en tête. En fait, avec un sautoir. Hop. Et une veste en jean. Puisque c'est comme ça dans mon esprit. Et franchement, je trouve que c'est magnifique. Je sais pas, vous me direz ça en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous trouvez. Mais, voyez, la petite robe avec les baskets.
J'aime beaucoup la tenue, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est très sympa. Mais il manquerait des poches. Bon, j'ai mon pantalon en dessous, donc forcément, ça fait des marques. Mais franchement, très sympa. Elle est hyper longue. Alors moi, elle m'arrive quasiment par terre. Elle ne m'arrive pas à la cheville. Elle m'arrive quasiment par terre. Mais vraiment, gros coup de cœur pour cette robe, finalement. Vous voyez, comme quoi, des a priori. Ensuite, j'ai pris une série de petits hauts, comme je vous l'ai dit, sur Shein. Moi, je privilégie les hauts parce que j'ai énormément de mal avec les pantalons. À chaque fois, je me gousse, ça va pas. D'ailleurs, j'ai refait une commande et j'ai pris les shorts. Alors, à voir. On va voir ce que ça donne, les shorts. Je teste, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour tester. Donc, j'ai pris après. Donc, vous l'aurez compris, cette robe-là, c'est un gros coup de cœur. Je pense que, voilà, elle va me suivre pour les vacances. Alors, c'est vrai que si j'avais une petite paire de compensés, peut-être que ça serait un peu plus sympa parce que ça ferait un petit peu plus haut. Mais franchement, elle est très, très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai pris un t-shirt gris avec écrit « Love » en ici avec le léopard et rouge. Alors, je ne sais pas si ça va tenir longtemps dans le temps parce que c'est vraiment collé, vous voyez, en patch. Je l'ai pris en taille 3XL. Par contre, la matière du tissu est très agréable. Très, très agréable. 35% coton et 45% polyester. Alors, vraiment très sympa. Donc, ce t-shirt, ce que j'aime bien, c'est que le col n'est pas là. Moi, et les cols, quand c'est des cols qui sont là, ça me... Donc, au niveau de la stature est parfaite. Au niveau de la longueur, on a une longueur... qui arrive ouais, en dessous la fesse pour moi, donc vous voyez, même avec ce que je porte là aujourd'hui, c'est très très sympa, franchement très sympa. Une veste en jean, un gilet, on est bon, on est bon, franchement. Vraiment, les petits, tout ce qui est petit t-shirt sur Shein, c'est vraiment top. On peut trouver notre bonheur et il bouge pas à laver, etc. Donc alors celui-ci, je l'ai pris en taille, on passe à un autre petit t-shirt. Je l'ai pris en taille 4XL. Alors, sur Shein, vous voyez, ça varie de 0XL à 1XL, 4XL, 3XL. Sur Shein, je vous l'ai dit, vous êtes à chaque fois à me demander, oui, ben moi, je fais cette taille, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Non, non, ça ne marche pas comme ça. Sur Shein, il faut prendre vos mensurations, vos mensurations, vos mensurations. Une fois que vous avez ça, vous mettez sur une petite feuille, vous avez tout le temps à côté de vous quand faites votre commande. Sur chaque article, vous avez un tableau avec les tailles. Quand vous mettez 0XL, 1XL, 2XL, etc., vous mettez dessus votre petite curseur de souris et ça vous donne le tour de buste, le tour de poitrine, le tour de hanche, le tour de taille, la longueur, etc. Moi, je ne me fie pour moi que à mon tour de poitrine. Les gouttes passent, le reste passe. Alors, après, j'ai pris celui-ci pour aller avec mes pantalons rose malabar. Et il va être parfait avec mes pantalons rose malabar. Et c'est écrit « Yeah, yeah, yeah !» Et je l'ai pris donc, je vous l'ai dit, en 4XL. Et la matière, celui-ci, elle est assez particulière. C'est du polyester et de l'élastane. Donc, c'est très extensible. Donc, c'est parti. Donc, voilà ce qui donne celui-ci au niveau du col. C'est un col rond qui n'est pas trop serré. Donc, c'est nickel. Au niveau des manches, voilà ce que ça donne. Au niveau de la stature, de la longueur, voilà ce que ça donne. Même avec un pantalon blanc, c'est très sympa. Au niveau, il a l'air d'être un petit poil transparent quand même. Je pense qu'on voit... Non, même pas. J'ai un soutien-gorge bleu marine. Donc, non, ça n'a pas l'air d'être trop transparent. Donc, ça, c'est très sympa. Ouais, j'aime beaucoup également. Très, très sympa au niveau de la longueur. Ben, moi, il arrive quasiment en sous-fesse. Donc, ça, on valide également. Franchement, on trouve vraiment des belles choses sur Shein à petit prix. J'adore. J'adore, j'adore. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier haul mode des lives Facebook, je trouve que le mélange des deux, boutique live et boutique et Shein, c'est top. Alors, et aussi, je voulais en faire un aparté. Vous avez été plusieurs à me demander comment ça allait se passer avec les frais de douane, etc. Alors, si vous allez sur le site de Shein, apparemment, il y a eu une modification au niveau des conditions générales, apparemment. Et ils ont déplacé ou un truc comme ça
leur siège ou je ne sais quoi, leur entité ou je ne sais quoi en Irlande pour pouvoir justement faire partie de l'Europe et pour que vous ne puissiez pas avoir de frais de douane ni d'augmentation apparemment, comme ça ils seront toujours en Europe, donc ça ne changera rien normalement. Donc j'ai envoyé un message à la marque pour savoir un peu plus, comme ça je vous en redirai un petit peu plus sur les différents réseaux ou dans un blog. Voilà, petit aparté clos. Donc après j'ai pris encore un autre t-shirt, vraiment très beau. Celui-ci je l'ai pris en 2XL et ce que j'aimais beaucoup c'est la femme comme ça, de dos avec le papillon, vous savez que j'adore les papillons. Donc ça pour aller avec un... J'ai un pantajog Parme, il va être parfait, parfait, parfait. Par contre celui-ci il est transparent et il est un peu plus serré, un peu plus près du corps. J'aurais pu aisément prendre une taille au-dessus. Mais bon, comme je compte perdre encore du poids, ça descend. Là ça a remonté un petit peu ce mois-ci, il y a eu un petit kilo de repris. Mais là j'ai repris, encore ce mois-ci j'ai encore fait n'importe quoi. Mais comme je vous l'ai dit, je prends mon temps. S'il y a plusieurs mois où il n'y a rien, ça redescend après. Voilà, c'est sur le long terme. Donc ce t-shirt là, il est très transparent, je pense que même avec un soutien-gorge blanc, on verra en dessous. Donc je pense que celui-ci, il faudra mettre peut-être quelque chose en dessous. J'ai testé les sous-vêtements rouges, on voit aussi. Hein. Donc au niveau, par contre au niveau de la stature, ouais, j'aurais pu aisément peut-être prendre une taille au-dessus si je voulais être un peu plus à l'aise. Il est très joli, ouais, ce que j'aime beaucoup est très joli. Voilà, au niveau de la longueur, il arrive à peu près sous fesses. Et il est un petit peu plus près du corps. J'aurais pu prendre un 3XL sans problème. Mais ça va. C'est pas... Ouais, c'est pas vilain. Donc, on valide quand même. Alors, ensuite, j'ai pris un autre petit haut. Alors, ça, c'est pas du tout un t-shirt. Je vais vous le mettre un côté. Parce qu'il a deux façons de le porter. Donc, je vais vous mettre un côté avec une façon. Et l'autre côté avec l'autre façon. Comme ça, ça vous permettra de voir les deux façons de le porter. Et voir moi laquelle je préfère. Donc c'est un haut un peu façon broderie anglaise qui est dans les tons ouais kaki, c'est un kaki je pense, ouais c'est un vert kaki. Je l'ai pris en taille 2XL, c'est entre le vert anis et le vert kaki, là il fait un peu plus anis, ouais. Et il est un petit peu, vous voyez, avec des plumetis, je sais pas si on va voir. Voilà, on voit bien les plumetis, il a plein de petits plumetis comme ceci. Donc vous avez des manches courtes ou alors, donc soit comme ceci, ou alors vous avez un petit bouton ici pour pouvoir les porter retroussés. Mais je ne sais pas si ça tiendra parce que j'ai des doutes. Ou pour les porter un petit peu retroussés comme ça. Donc vous avez un col V. Ici, des genres de couture avec des faux boutons et tout le bas, il a de la dentelle. Donc, il est très joli. Je ne l'ai pas essayé celui-ci, donc je ne pourrais vous dire. Il y en a certains que j'ai essayé parce que j'avais le temps et d'autres que je n'ai pas essayé parce que je voulais voir absolument ce que ça donnait. Donc, je vous le passe. Alors, au niveau de la stature, on est bon. Au niveau du décolleté, le décolleté est très joli. Décolleté V comme ça. Très sympa. Au niveau des épaules, on tombe bien. Donc, voyez ce côté-ci avec la manche relevée. Moi, je pense que je le porterai plus comme ça que comme ça. Vous voyez, en manche 3 quarts, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ensuite, vous avez le... Ça part un peu en évasé comme ça, en péplum, mais un peu en évasé. Et vous avez toute la dentelle dans le bas. C'est très joli. Même là, avec le pantalon que je porte, bon, il faudrait une petite paire de baskets kaki ou blanche. Mais c'est très sympa. Vous avez la dentelle qui couvre aussi les fesses. Celui-ci, il est très très joli. Ouais, avec un, j'ai un pantalon qui est kaki clair, même avec un kaki foncé ou alors avec un saumon, ça peut être très sympa. Ouais, ouais, ça en valide. Je dirais que le seul petit point négatif, j'ai vu qu'il y avait une couture qui n'était pas super bien finie. Là. J'ai vu qu'ici, il y avait un zigougoui de couture pas très bien fini. Donc, je vais voir ce que je peux faire, si je peux couper ou pas. Mais ouais, moi, je le porterai, je pense, comme ça. Et bon, il n'aura pas fallu une taille en dessous, voilà, mais très joli, ouais, ça c'est pas mal, ouais, ouais, c'est validé, c'est original, c'est très sympa, c'est fluide, là, alors quand il fait chaud, c'est très sympa, on valide, allez, next. Alors, un autre t-shirt, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de hauts, après il y aura quelques accessoires, et comme je vous l'ai dit, dans la prochaine commande, j'ai essayé de favoriser les shorts, pour voir ce que ça donnait, là j'ai pris aussi de la lingerie, mais c'est encore une fois un flop pour moi. Enfin, on verra ça quand on y sera. Donc, j'ai pris ce t-shirt là qui est pareil, un t-shirt tout fluide en taille 2XL. Ces t-shirts, cette matière est vraiment agréable.
C'est du coton mélangé avec autre chose. Coton polyester, c'est super agréable. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'on a un cœur ici, mais qui est fluo, qui est en dégradé de fluo, du violet, vert, orange, rouge, et très joli. Donc ça, pareil, vous pouvez le mettre avec n'importe quel pantalon du coup, puisque soit un orangé, un rouge, un jaune, un vert, voilà, vous pouvez mettre avec ce que vous voulez en bas, parce que du coup, il y a les... Alors, celui-ci, l'encolure du col aussi, j'aime bien. C'est pas une encolure serrée, c'est une encolure ronde. Donc ça, c'est sympa. C'est pas un t-shirt qui monte là. Il y en a certains que j'avais pris la dernière fois. Finalement, je suis gênée, donc je vais pas les garder. Moi, il faut que je prenne vraiment des encolures, soit V ou alors ronde, assez large. Donc, il est transparent. Vous voyez, j'ai un sous-vêtement bleu marine. Il est transparent. Au niveau des manches, voilà ce que ça donne. Au niveau de la stature, la taille est bonne, hein. Ça arrive sous le ventre et bah, sous les fesses. Il est un petit peu remonté ici sur les côtés, vous voyez. Il a un petit peu une découpe un peu remontée là sur les côtés. Mais ouais, même avec le pantalon blanc que je porte, là c'est très sympa. Comme on a un petit peu de violet bleu marine, et ben, j'ai des chaussures bleu marine, bah, c'est très sympa également. Ouais, validé. 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 Tout décoiffé. Après, j'ai pris, il restera plus que deux t-shirts. Après, on passera à autre chose, à d'autres petites choses, des accessoires, des maillots de bain pour mon mari, mon fils, et puis des petites choses. Donc, j'ai pris ce t-shirt-ci qui est un petit peu camel et un petit peu chiné. Il a l'encolure en fait, toute un peu façon déchirée, une encolure grande, une encolure ronde également. Et il a un motif, voilà, orange, assez fluo. Je pense que ça rend pas justice à l'image, mais c'est fluo. Et on a le bas aussi qui est, vous voyez, qui est un peu déchiré, qui est pas cousu comme si on avait déchiré dans la masse. Et celui-ci, donc je l'ai pris en 3XL, donc ça va être parfait pour aller avec mon pantalon orange. Parfait. Donc si vous voulez voir les looks avec quoi j'associe les bijoux et tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram parce que j'y partage les looks du jour. Et de vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que dans les vlogs, eh bien, je vous partage les tenues. Au niveau de la taille, on est bon. Au niveau de l'encolure aussi. Au niveau de l'encolure, c'est pas mal. Alors, au niveau de la taille, on est bon. Ouais, c'est bon. Ça n'a pas l'air trop transparent. Non, parce que j'ai un bleu marine en dessous, donc c'est pas transparent, donc c'est nickel. Au niveau des manches, les manches, elles sont un petit peu genre retroussettes. Au niveau de la taille, on est en dessous le ventre, quasiment en dessous la fesse. Donc ça, c'est parfait. Même avec le pantalon blanc, c'est très sympa. En fait, le pantalon blanc, c'est vraiment le basique. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en haut avec un pantalon blanc. C'est génial. Le basique de chez Basique. Et pour finir en matière de petits hauts, j'ai repris un comme ça que je vous ai déjà présenté, je crois, en kaki et en orange. Ces petits hauts sont pas chers et sont vraiment top, ils sont fluides. Ils passent partout, c'est vraiment le petit haut, ils sont en multitude de couleurs, ils sont vraiment pas chers. Je l'ai repris un peu en vert, un peu vert bouchy, on dirait, ouais, un petit peu un vert, vert turquoise, vert lagon, je ne sais pas trop comment c'est comme couleur. Il a un col V, il est hyper fluide. Donc ça, il n'est pas en plus size, hein, il n'est pas au rayon plus size. Il est au rayon classique et c'est la taille XL tout simplement. Mais ils sont oversize, donc forcément. Je pense que je vais me les prendre en toutes les couleurs parce qu'ils sont vraiment top. Donc au fur et à mesure que je fais une commande, j'en glisse un dedans. Je m'en suis commandé un. J'attends une commande que j'ai faite moi sur Shein. Elle devait être livrée la semaine dernière, j'ai toujours pas de nouvelles, je sais pas où elle est coincée. Donc je pense qu'elle est coincée quelque part, mais je ne sais pas où, et j'en ai commandé un comme ça, Parme. Alors, vous voyez, on peut même le porter un peu sur les épaules, celui-ci, un peu façon... Donc, vous pouvez même mettre un débardeur en dessous, vous voyez, avec de la dentelle qui est un peu plus haut. Enfin, ces petites choses-là, je trouve qu'on s'accessoirise. Très simplement parce que par exemple, vous voyez, là j'ai un pantalon blanc, je vais mettre le collier blanc que je vous ai présenté tout à l'heure. On met ça avec le sautoir et roule ma poule, on est habillé, vous voyez, je suis en blanc et ben voilà, on est habillé. Ces choses-là sont faciles à vivre, c'est une merveille, hein, c'est fluide. Quand il fait chaud, c'est super agréable, vous mettez ça même aussi avec un short en jean. Donc ça, je pense que je vais m'en recommander plusieurs avant qu'il n'y en ait plus parce que ça c'est... Ils sont vraiment géniaux ces petits tops là. Et j'ai pris également en petit accessoire cette sacoche, enfin ce sac un peu, comment dire,
sac banane, mais banane un peu habillée, on va dire. Donc j'en ai commandé une autre dans ma commande qui doit arriver un jour. Elle est arrivée en France, j'ai regardé, elle est arrivée en France. Donc c'est un sac qui est complètement réglable, vous pouvez changer l'anse. Donc moi je peux mettre l'anse que j'ai aussi pour pouvoir aussi le porter en bandoulière. Donc soit vous le portez comme ça, c'est un sac comme ça, ou alors vous le portez en bandoulière, vraiment comme le sac banane, vous voyez, le sac banane, vraiment le sac banane. Donc, je vais vous l'approcher un petit peu. Il est comme ceci. Hop, dans les tons beige, avec ici un petit truc pour ouvrir. Vous avez un anneau ici aussi, où on peut mettre par exemple un petit sac, un petit bijou de sac. Vous avez la petite anse ici en métal que vous pouvez prendre comme ça. Et vous avez aussi ça qui est réglable. Donc on met pas grand chose dedans, mais pour voilà, pour aller faire du shopping par exemple, pour avoir les mains libres, et eh bien c'est top, parce qu'il y a quand même une, c'est quand même bon de quoi mettre le portefeuille, la carte bleue, le téléphone, les clés, nickel. Donc je m'en suis commandé un autre beige. Donc, je pense que ça pour les vacances ça va être top, et je pense que j'y ajouterai un petit bijou de sac. Voilà. Donc voilà pour le petit accessoire que j'ai pris en plus. Donc ensuite, on va passer à des chaussures. Vous savez que je raffole des chaussures. On va commencer par les miennes, parce que j'en ai pris une paire aussi pour mon chéri, parce que mon chéri a goûté aux chaussures de chez Shein. Et lui, qui est ultra difficile en matière de chaussures, bah écoutez, il a trouvé chaussures à son pied, comme on va dire. Alors, on va commencer par celles-ci, qui sont des pépites, qui sont en taille 38. Elles sont parfaites au niveau de taille. Elles sont top, top, top. Elles ont deux couleurs. Elles sont beige et bleu, un peu bleu, bleu ciel, bleu jean. Et avec, vous avez aussi des lacets couleur crème. Mais moi, je les ai pris pour les lacets. Comme ça, vous avez ici une inscription. Et vous avez aussi une étiquette derrière. Elles sont vraiment très, très belles. Elles sont superbes, superbes, superbes. Je vous mets une petite photo ici portée. Elles sont géniales. Je vois déjà avec quoi les associer, avec quel pantalon, quel petit haut. Voilà, petit look en perspective. Les chaussures sur Shein sont de très bonne qualité. Alors, j'ai repris une paire comme ça. Je pensais que c'était la paire qui était peut-être trop grande. Et je pense qu'elle taille hyper grand. Donc, je ne sais pas si je vais les garder. Je vais peut-être me recommander une taille en dessous. Parce que voilà, j'ai repris celles-ci, elles sont belles, elles sont trop trop belles. Je les ai aussi en vert céladon. Alors je les ai portées en plusieurs fois en vert céladon. Elles sont pas trop grandes au niveau de là, mais elles sont très longues. Moi j'ai mon pouce qui arrive ici. Alors ça, en soi ça ne gêne rien, parce que j'ai peur que si je prends une taille en dessous, parce que c'est bien écrit 38, j'ai peur si je prends une taille en dessous qu'elle me soit trop serrée ici. Alors, il faut que je regarde sur le site si c'était écrit fidèle à la pointure ou si c'est écrit prendre une taille en dessous. Il faut que je regarde. Trop beau. Trop, trop beau. Et ces baskets-là, j'en porte déjà une paire aujourd'hui. On est tellement bien dedans. Les deux paires, là, on est comme dans des chaussons. Franchement, elles sont vraiment top. Je vous conseille ces petites baskets-là si vous cherchez. Il y a plusieurs coloris sur celui-là. Mais je vous mettrai une petite annotation ici, savoir si c'était écrit fidèle à la pointure ou s'il fallait prendre une taille en dessous. Mon chéri, quand je vous l'ai dit, a succombé à l'appel. Il a pris la dernière fois deux paires de chaussures. Il m'a dit, il a pris une paire de chaussures de randonnée pour le travail. Et il m'a dit, je suis comme dans des chaussons. Je n'ai pas mal au pied de la journée. Et mon mari marche énormément. Je ne sais pas combien de kilomètres il fait dans la journée avec le travail. Il m'a dit, j'ai pas mal au pied, pas mal au dos. Donc, il est super confort dedans. Et il s'est pris une autre paire noire. Il m'a dit, c'est pareil, j'ai pas mal au pied dedans. Je suis bien dedans, ça fait habiller, voilà. Donc il me suis dit, bah, il me dit, ouais, je vais tenter une paire de baskets, vraiment la paire de baskets classique. Et il s'est pris celles-ci, qui sont trop, trop belles. Il les a essayées hier soir. Au niveau de la taille, elles sont... mon mari fait un petit 39, il a toujours du mal à trouver des chaussures, parce que bah, dans les magasins, en rayon homme, il y a beaucoup de choses qui commencent au 40, 41, et tout ce qui lui plaît à chaque fois, il n'y a pas sa taille. Donc il me dit, bah, peut-être que Shein, justement, il va trouver finalement les choses qui lui plaisent. Donc il a testé une paire de baskets, donc c'est des baskets, vous savez, qui sont toutes souples, un peu en tissu, comme ça, et elles sont kaki, elles sont trop trop belles, elles sont trop trop jolies, franchement,
Vous avez une matière un peu ici en façon nubuck sur le côté. Elles sont superbes. Elles sont très très belles. Elles sont très confortables. Voilà, il les a essayées hier soir. On peut resserrer. Là, c'est des lacets qui sont factices, mais on peut resserrer. Donc finalement, elle m'a dit c'est top. Elles sont top top. Donc vous l'aurez compris, c'est validé pour les chaussures. Donc il a pris du 39 pour son 39, petit 39, et ça match. Donc ensuite j'ai pris, ça c'est pareil, chaque fois que je fais une petite commande, j'en glisse un dans ma commande. Ce sont les étoles en matière foulard que vous pouvez vous servir. Ça fait un peu un genre de chèche, hein. Elles sont top. Donc là je l'ai pris en rose malabar. Si vous avez vu mon haul spécial live Facebook, vous savez que j'ai la folie du rose malabar en ce moment. Même avec le bleu, c'est très sympa. Et elles sont ultra confortables. Elles sont à 3,25€. Donc, je m'en suis recommandé une autre aussi en bleu électrique, là, bah, dans ma commande que j'attends. Qui, j'espère, va arriver un jour. Je me suis même pris une paire de baskets, qui, j'espère, va arriver un jour. Donc, elle est très, très sympa. Je l'ai aussi en jaune citron. Donc là, pour le matin, quand il fait frais, ou le soir, franchement, c'est top. Vous pouvez aussi la porter en petite étole comme ceci. Voilà, si vous avez un mariage, un événement sur une petite robe avec une genre de broche ici. Vous savez, il y a des choses qui s'achètent exprès pour les attaches foulards. Avec une petite broche ou quoi, ça peut faire une étole sur une petite robe. Ça peut être très sympa également. Vous pouvez le porter également en foulard pour les cheveux. Sur le site, il y a beaucoup de personnes qui les porte vraiment en foulard, voilà, vraiment le foulard. Très très belle pièce. Alors, j'ai pris de la lingerie. J'ai voulu retenter la lingerie. Donc je pense que la lingerie, je vais arrêter aussi sur Shein. La lingerie n'est pas adaptée pour moi sur Shein. Alors, j'ai voulu tester les brassières. Je m'en suis commandé sur AliExpress, sur le conseil de l'une d'entre vous, des brassières comme ceci. Alors, déjà, c'est pas assez élastiqué, donc ça ne maintient rien du tout. Même si j'avais pris une taille en dessous, alors je vous mets la photo. Ici, je ne comprends pas pourquoi c'est des demi-bonnets, voilà. Donc ça ne maintient rien du tout, ça ne, voilà, ça, c'est vraiment, je pense, ça, si vous avez toute petite poitrine, c'est dommage parce qu'ils étaient jolis, la dentelle était jolie. Donc ça, c'est deux choses que je ne vais pas porter, c'est dommage parce que, voilà, je suis déçue. La lingerie, là, j'ai fait deux, trois fois que j'essaye la lingerie. Et j'arrive pas à trouver la lingerie qui me correspond sur Shein. Donc je pense que Shein, la lingerie, c'est bien quand vous avez des petites poitrines. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de maintien. Voilà. Ça, je pense que c'est quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas de poitrine, hop, vous mettez ça par-dessus. Voilà, c'est nickel. Mais forte poitrine, non, je pense pas. Ensuite, j'ai repris un maillot de bain. Je vous en ai déjà présenté un comme ça la dernière fois. Enzo voulait un rose. Il me dit oui, moi j'aurais bien voulu un rose. Vous savez qu'Enzo est dans sa période rose. Il déteint. On se déteint habituellement. Et j'en avais pris un comme ça, un peu en vert céladon. Et je lui ai pris donc du coup un maillot de bain short en rose pour les vacances. Ce qui sont bien, c'est que vous avez ici un scratch pour la poche qui ferme. Donc voilà. Il est top. Il est ravi d'avoir ce petite chose en rose. Et pour le chéri, je lui ai pris donc pour les vacances également. Donc Enzo, mon mari a récupéré le vert céladon d'Enzo, puisque finalement il a celui-là et un autre vert que je vous avais présenté la dernière fois. Mon mari, lui, s'est pris celui-ci en noir avec la tête de loup, qui est très très beau, très joli, avec écrit Savage. Vous avez le lien ici qui est avec des noirs et blancs à fermer. Il a pris tout ça en taille S, même S, il est à l'aise dedans. Donc très très bien. Voilà, franchement les pantalons, les shorts de bain comme ça sur Shein, si vous cherchez une short de bain à petit prix, ils sont top et vraiment pas cher. Alors ensuite j'ai pris pour le chéri, enfin il avait choisi, mais c'est trop grand. Et Enzo il a dit ouais, je vais le récupérer, mais c'est trop grand également. Il avait pris en L. Je sais pas pourquoi il a pris ça en L. Il aurait dû prendre ça en M ou en S. Je comprends pas pourquoi il a pris en L. Donc c'est une veste qu'il voulait prendre pour le travail, en fait, pour que le matin il fait frais, et pour qu'il puisse avoir quelque chose de pas trop, voilà, et puis finalement en fait c'est un truc pour le running. C'est 100% polyester.
Et ça se ferme ici. Vous avez des choses réfléchissantes. Je ne sais pas si on va le voir. En fait, ça ici, c'est réfléchissant. Et une fois que c'est fermé, ça aussi, c'est réfléchissant. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait une capuche aussi réfléchissant. Donc, elles ont dit, ah, moi, je le prends, moi, je le prends. Mais non, c'est vraiment trop grand, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, du coup, bah, ça, on ne va pas le garder. C'est dommage. Mais la qualité du produit est top. Et dernière pièce, c'est pareil. Enzo, il m'a dit, ouais, je laisse tomber les jeans sur Shein. Il me dit, tous les autres pantalons sur Shein me tombent nickel et les jeans, ça va pas. Et il a le même problème que moi sur les jeans. En fait, c'est trop long, c'est trop grand. Et voilà. Ou alors trop petit. Donc là, il s'est pris un jean, mais je lui dis oui, mais en plus, tu prends des jeans qui sont taille basse, enfin, qui se portent taille basse. Alors celui-ci, pourtant, il est très beau. Je vous mets la photo à côté. Il est de très bonne qualité au niveau du jean. Donc c'est un jean comme ceci. Vous avez des poches sur le côté. Et en bas du jean, vous avez ici, vous avez pour resserrer. Donc la matière est très sympa, hein, pourtant. Il l'avait pris en taille S, je crois. Alors, même le XS aurait été trop grand, je pense. Alors, mon mari rentre dedans, c'est pareil. Mais alors, lui, c'est pareil, il faut couper. Faut couper. Jusqu'au genou. Donc, c'est dommage d'abîmer le jean. Donc, ça, c'est pareil, on va pas garder, c'est dommage. Donc, voilà un petit peu pour les petits flops. Donc, au niveau des. Il n'y a pas de flop. Hein. Les seuls flops que je dirais, parce que ça, c'est parce que ça ne va pas au niveau taille. Mais sinon, le produit en lui-même est très, très bien. Je dirais le seul flop de ma commande, c'est les sous-vêtements. Voilà, je trouve que ça sert à rien finalement. Et vous direz aussi pour les baskets, si c'est moi qui me suis trompée parce que c'était pas écrit fidèle à la pointure. Voilà, donc je suis plus à l'aise dans les autres que dans celle-ci, que dans les vertes. Voilà, j'espère que ce haul vous a plu, ce big haul encore une fois Shein. Je vous l'ai dit, j'attends encore une commande que j'ai fait moi et sûrement une autre commande en collab, puisque je travaille avec Shein à peu près tous les 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc vous avez une vidéo à peu près tous les 15 jours, 3 semaines pour vous faire voir les nouveautés et trouver des petites pépitas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Je vous mets de toute façon tous les liens des articles en barre d'infos. Vous avez également toujours mon code promo, comme je vous l'ai dit, le moins 15%, qui est le code 5val beauty sur tout le site, même sur les promos. Alors n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des petites choses à acheter pour les vacances, c'est le moment. Allez, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.